Bon, je vais me présenter rapidement. Je suis Jean-Marc Mercier, je suis directeur de recherche pour la société MPG Partners. Alors, MPG Partners, c'est un cabinet de conseil qui est dédié au secteur de la finance. C'est un cabinet qui a une forte appétence pour l'innovation. Et en l'occurrence, c'est un cabinet qui porte le projet Codefi, dont je suis l'auteur. Alors, Codefi, c'est quoi? Codefi, c'est simplement une méthode de mesure des risques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mesure des risques? Ça peut aller de la valorisation de produits financiers ou assurantiels complexes, ou alors ça peut être de la mesure de risque réglementaire. Alors, je vous rappelle qu'à ce jour, il n'y a pas de méthode, il y a encore moins de logiciels qui sont capables de mesurer des risques dans un environnement où il existe beaucoup de sources de risques. Au-delà de 3 ou 4, on ne sait pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des sources de risque? Ben, pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, ça peut être de l'inflation, ça peut être un taux d'intérêt, ça peut être une espérance de vie, par exemple, dans l'assurance. Alors, moi, personnellement, ça me rend chagrin. Alors, pourquoi ça me rend chagrin? Simplement parce que c'est un secteur industriel dont la raison d'être est de gérer quotidiennement des positions qui dépendent de centaines de sources de risques. Alors, cette limitation qui est liée au nombre de sources de risques qu'on est capable de... Déjà. Alors, je vais recommencer. Cette limitation liée au nombre de sources de risques s'appelle la malédiction dimensionnelle. Et la malédiction dimensionnelle donne le nom au projet qu'on porte, qui s'appelle Codefi, Curse of Dimensionality for Finance. C'est un logiciel en fait qui casse cette malédiction dimensionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est capable de mesurer des risques complexes sur des produits qui dépendent d'une centaine de sources de risques en environ une dizaine de minutes sur un seul PC. Alors, ce qu'on pense, C'est qu'il faut conclure. C'est qu'il faut conclure. Donc, simplement, vous devez retenir que c'est une technologie calculatoire innovante, que nous pensons disruptive, qui est appliquée si jamais vous voulez, par exemple, émettre des nouveaux produits financiers qui sont mieux adaptés aux besoins de vos clients. Si jamais vous désirez accélérer d'un facteur d'échelle vos calculs réglementaires, dans le cadre d'une BFI, ou si simplement vous souhaitiez mieux piloter votre activité en mesurant des risques que jusqu'à aujourd'hui vous ne pouviez pas calculer, eh bien, venez nous voir, on est tout à fait ouvert pour en discuter. Et sinon, vous pouvez consulter notre site www.mpgpartenaire.com. Merci, Merci. Jean-Marc. Merci beaucoup.